Hey, hey, salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice, joue à Wizard of Legend. Aujourd'hui, je nous ai préparé une petite recette de fureur. À savoir que j'ai pris que des nouvelles arcanes de foudre, sauf notre fameuse foudre en boule, chère à mon cœur. Celle-là a l'air pas mal comme nouvelle magie. Et donc la foudre en boule, je vous rappelle, c'est ça. Et les boss le détestent. Et donc les nouvelles magies s'appellent l'électrodisque, je vais vous montrer ça. La ligne en foudre, je vous montre aussi, c'est pas ouf. Mais c'est nouveau, alors je vous le prends. Et le cercle de foudre, alors, la ligne de foudre, c'est ça. Juste à mon point de départ de dash, il y a un éclair. Électrodisque, ça fait enfin une magie de base de avec un peu de portée pour la foudre. Et ça c'est cool. Et bien, voilà, voilà. Et avec mes gemmes du chaos, qu'est-ce que je vais acheter de beau d'autre? J'aurais bien envie de prendre une petite relique ici. Alors j'en ai vu une tout à l'heure qui avait l'air complètement folle, qui avait le logo C99, qui est qui est complètement le nom du studio du jeu, Contingent 99, qui faisait que tous les dégâts sont 99. Alors je suppose pour moi et pour les ennemis, mais ça avait l'air complètement timbré, et du coup je voulais prendre ça et me prendre cette petite toge en édition limitée qui fait que les dégâts subis sont réduits à 10% de la santé max, ce qui fait qu'au lieu de prendre 99, moi je prendrais que 50. Sauf que il me le propose plus, le coquin. C'est dommage, je m'étais tout préparé pour que ça marche. Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? Oh non, ça j'ai pas envie que les ennemis soient plus rapides, ça me fait peur. Manuel des voleurs, le prix des arcanes et des reliques diminue sensiblement, mais vous risquez d'en perdre à chaque coup subi. Oh non, ça me semble mauvais. Je crois qu'on va prendre rien de tout ça parce que c'est atroce tout ça. Et dans les nouvelles reliques que j'ai ici... Oh, ça. Oui, oui. Oui, 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 ça me semble très très bien. Faut que je le prenne du coup. Évidemment. Plus de dégâts par la signature à chaque utilisation, ça me semble complètement ouf. Donc c'est un truc qu'il y avait déjà dans le jeu. Et, ah oui, j'ai débloqué ça aussi. La barbe à papa. Je vais voir, ça fait quoi ça? Ah, ok, de temps en temps ça balance une petite tornade, mais c'est rare. Attends, je vais prendre ça, ça avait l'air trop cool. Il est où? Il est où? Il est là. Ouais! Donc avec ma cape de fureur, je charge mon arcane signature plus rapidement et elle fait plus de dégâts. Déjà que mon attaque signature, elle défonce. Évidemment, s'il y avait une gemme volatile en vente chez Nox, j'aurais été trop content, mais bon, tant pis. Et donc avec ça, mon arcane signature fera de plus en plus de dégâts et on est y par... Ouais. Ouais, ouais. Alors j'ai changé quelques petits réglages sur la vidéo, notamment sur les couleurs. J'espère que ce sera plus joli du coup. Et on est parti! Et je vais peut-être baisser un tout petit peu la musique du jeu aussi. Faire ça vite fait. Et on a chu en troisième, c'est atroce. C'est terrible! On va sûrement pas passer encore la troisième zone, et mince. Bah non, parce que le boss que je connais pas en troisième, ça va être horrible. Hein. Du coup, ouais. Tout petit peu chouille. Et oui, non, c'est bien. Les couleurs sont toutes bizarres. J'ai peut-être fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. Bon, sur la capture, ça n'a pas l'air d'être le cas. En plus, c'est que sur mon écran. Étrange. Vous êtes moches, les gars. Tiens, un mur. Ah, évidemment, j'aurais préféré avoir... Aïe! Et vous faites mal. Ah, pardon. J'aurais préféré avoir frayé en troisième, parce que les ennemis qui subissent plus de dégâts par la foudre, ça aurait été bien de les avoir en troisième, mais bon. T'es un pis. Toi, tu vas prendre cher. Toi aussi. Allez, viens au milieu. Viens au milieu du cercle. Le cercle de l'amitié des gens qui aiment se faire électrocuter. Aïe! Help! Ah oui, j'ai pas d'arcane qui transperce les ennemis, ça c'est un problème. Je me suis fait interrompre ma foudre en boule, je suis deg. Ah! Mais les gars, ça suffit! J'ai plus le rythme de vos attaques en tête. Viens. Mur. Merci. Bon, on a récupéré nos PV lamentablement perdus, et lamentable est un mot pas assez fort encore. Allez. Allez, Juju, sors-toi les doigts! Bon, après, se faire tapoter sur les premières zones du jeu, c'est pas grave, ce qu'il faut, c'est juste survivre à la fin. Ce qu'il faut, c'est faire le troisième membre du conseil sans se faire toucher, quoi, c'est tout, c'est pas compliqué. Mais globalement, c'est ça qui est un peu... Mais je pense qu'il
avant que juste que je me réentraîne sur Wizard of Legend, mais qui va être pendant quelques épisodes et quelques parties un peu frustrant, c'est que ce jeu est très punitif sur la fin de la partie. Sur la fin de la partie, il faut être irréprochable, sinon t'as pas mérité d'aller au bout. Là-dessus, le jeu est plutôt bien fait, hein. Ça reste un défi d'aller au bout. Pour les joueurs comme moi, en tout cas, ça reste un défi d'aller au bout, à moins d'avoir une partie complètement craquée. On serait pas à l'abri d'avoir ça aujourd'hui, mais même sur une partie complètement craquée, les ennemis font tellement mal et t'enchaînent tellement vite sur la fin que tu peux pas... Oh là 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 là, miser... Tu peux miser beaucoup sur l'offensive, mais il va falloir quand même bien anticiper tes ennemis, quoi. C'est dur d'être un véritable bulldozer et d'en avoir rien à faire des ennemis. Ok, qu'est-ce que t'as pour moi, le gant de Midas. Ah, ça, ce serait intéressant, mais pas tout de suite. Et ça, c'est l'équivalent pour la défense. Eh ben, je sais pas quoi faire, moi. Je prendrais bien ça tôt dans la partie pour avoir plein d'or, ça me semble intelligent. Probablement. Peut-être. Ça, c'était pas intelligent de balancer ton arcane dans un tonneau. Le tonneau ne t'avait rien fait, lui. Contrairement à cet archer qui te menaçait de sa grosse flèche pointue. Bon. Merci. Allez, on n'a pas que ça à faire, on se dépêche. Hein. Tiens, une baston. Joli. Hop. La signature dans le mur, c'est parfait. J'ai fait un tag. J'ai fait une signature dans le mur. Ah ! Oui, je me suis complètement échappé de cette salle de combat de la première zone, je sais. Je sais. La première zone, je devrais pas fuir comme ça. Ah ! J'ai foncé dans les pics. Quelle horreur. Tiens. Il y a combien de mecs dans cette salle ? Ah ! Bien. Enfin bien. J'ai survécu. Difficilement. À cette salle. Oh mais... Je me suis fait interrompre par un blobby. J'ai honte. Tout ça c'est pas ouf. Du coup, Nox, je suis pas très content de ce que tu me proposes, là. J'en suis même mécontent, j'ose le dire, oui. Pourquoi pas. Ah, mais c'est ça qu'il fallait prendre, espèce de... Non, c'est pas ce que je pense. Ok, tout va bien. Justice, respire. Justice, arrête de dire du mal de toi-même. C'est bon. C'est pas le truc qui augmente les dégâts de foot dans une zone, tout va bien. Le boss, il est là, je le vois. Du coup, c'est parti pour le boss. On est quand même qu'au niveau 1-1 et j'ai perdu plus de la moitié de mes PV, c'est parfait. C'est le nouveau mini-boss. Pas si nouveau que ça, parce que maintenant on le connaît un peu. Help. Tenez, prenez ça les gars. Ah, je suis resté sous son cube. Allez. Allez, go. Voilà. Piouf. Je me rappelle de charger mon arcane. Et du coup... Bah du coup j'ai rien d'autre à faire, du coup je me casse. 72 pièces d'or, c'est sûr que je peux rien faire. 5 minutes et plus de la moitié des PV perdu. Tout le monde applaudit avec moi. Bravo. Bien. Mon seul réconfort dans tout ça, c'est que on va revoir Zil, notre chouchoute aujourd'hui, et ça c'est cool. Et si on peut au moins arriver au souverain du vent... Eh ben écoute, j'en serais pas mécontent, et si on y meurt, eh ben on y meurt, c'est un boss de la troisième zone qu'on ne connaît pas, faut pas s'en vouloir si on meurt là-bas, si on meurt avant par contre... Impardonnable. Alors certes, cette arcane a un peu plus de... Cette arcane de base, là, l'électrodisque, a un peu plus de portée que le... la ligne d'électrojeu que je prends d'habitude quand je joue la foudre. Mais l'autre, au moins, elle peut tuer plusieurs ennemis d'un coup. Elle, pas du tout. Heureusement, on a créé une arcane pour gérer les groupes. Avec ça, un cercle de foudre. Et ça marche très bien.
Et les ennemis restent bien bloqués bien longtemps quand ils sont au milieu du cercle de l'amitié, des gens qui aiment se faire électrocuter. Okay. Même pas besoin de ma signature d'abord. Bon. Et ben heureusement qu'on a le gant de Midas pour avoir plus d'or, parce qu'on va utiliser beaucoup d'or pour s'acheter des potions dans cette partie a priori. Aïe ! Feu. Oh là 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 là, mais tu te prends trois coups de lance, mais c'est pas possible, monsieur Justice, d'être aussi naze et tu te prends des claques par les ennemis de boss, c'est terrible ce qui m'arrive. Oh mon dieu. Un rocher assommant? Non. Un agent à tir rapide? Non. Non. Bon bah non alors. Bah y'a rien par là, donc on va se casser au début. Hop! Et on va aller vers le bas. Bonjour. Yes! Je crois que j'ai touché le gros machin. En même temps, c'était dur de le rater, il était tellement gros. Bien. Allez, Juju, allez, Juju. Nox, qu'est-ce que t'as pour moi? Non. Ah. Non, j'ai tout misé sur la signature, donc non. Et non plus. Nox, ça fait deux fois qu'on te voit. On n'a pas l'insigne de Nox. Et tu me files que de la daube. Je suis très mécontent. Vilain Nox, vilain pas beau. Pas le blobby avec le casque. Si, ça tape plusieurs ennemis ce truc. Il y a une petite zone d'effet autour du disque, très bien. Ça c'est vu. Ok. Ok, mais surtout justice, n'oublie pas de lancer dès que... T'as plus le truc qui bouffle pour les ennemis. Dès que possible, lance la signature dès qu'elle est prête, parce que plus tu la lances, plus elle fait de dégâts avec ta relique de départ. Allez, vite, va me charger ça pendant que tu peux. Vite, des combats, des combats, des combats. Merci. J'ai déjà perdu la moitié de ma charge. Allez, c'est parti. Bim. Hop. J'ai utilisé ma ruée pour leur faire des dégâts. On a atteint un nouveau niveau de jeu. Et en plus, on se fait pas toucher. C'est merveilleux, c'est fantastique. Ah, c'est un décepticoffre encore. Casse-toi. Il se déplace tellement vite, il fait peur. Regardez-le, comme il fait peur. Oh là là. Ok. C'est stressant, ce jeu. Je comprends maintenant pourquoi j'avais arrêté le let's play. C'est trop stressant, c'est trop dur. C'est trop dur pour mon petit cœur. Bah ça, ça me semble très très bon. Et... quand vous subissez des dégâts avec une santé faible, supprimer... Non. Échappe à toutes les attaques pendant que vous foncez. Non. Non. Ouais, j'ai fait ça, je sais, c'était pas le mieux à faire, mais bon. Les arcanes vendues par Iris m'intéressaient pas, Nox me prend pas de thunes, et il reste plus qu'à faire le boss, donc... Cassos. Attention. Feu. Ah. Il y a un mec qui s'est interposé. Attention, grand invocateur! Et bim, il s'est pris la foutre en boule pour le boss, quoi. Ah, j'ai vu les petits traits rouges qui m'arrivaient dessus et puis j'ai pas esquivé. Deux fois. Ah, et tu recommences en plus. Tiens. Bon. Eh ben, on sera pas si mal pour le boss. Ouf. Putain, j'ai 138 déjà. Eh ben, je peux rien en faire. Eh ben, tant pis. Go, en avant. Toi, je vais te défoncer ta trogne. Et vous l'avez pas vu, mais je l'ai menacée de mon doigt, de mon index, que je pointe vers elle comme ça, d'un air menaçant. Ouais. Et je l'ai refait encore en disant ouais, parce que voilà. Y'a de quoi avoir peur, madame. T'as même pas commencé que t'as déjà perdu plein de PV. Ok. Oh. Enfin, foudre. Bref, t'as compris. Ouh là 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 là, elle a pas aimé, elle a pas aimé. La 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 la.
Et bah c'était que le premier boss et il s'est quand même mal passé, du coup je suis pas très en confiance pour la suite, mais bon. Les bolas, c'est ça? Ok, ça se charge ça, non? Attends, on va prendre le temps de tester. Il y a quelque chose d'assez hypnotique dans le fait de voir ces bolas tourner comme ça, non? Youpi! Ok. Et alors, je sais pas pourquoi, là, j'ai en tête, il y a quelque chose d'hypnotique dans le fait de voir les golas tourner. Mais du coup, c'est beaucoup plus sale. Parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout la même tournante. Bref, Juju, pourquoi tu dis des choses pareilles? Et pourquoi t'as ce genre d'idées qui te viennent en tête? La fatigue est un fléau. La fatigue est un fléau. Tous les jours, des rogues justice meurent de fatigue. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour lancer le chargement, mon dieu! Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Allez! Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas Atlas dans cette partie et que Atlas, il est résistant à la foudre et que du coup, j'ai personne qui est résistant à la foudre et ça, c'est bien. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que Shu est toujours notre troisième boss, ça n'a pas changé. Bien. Bah, ok. Et bah, c'est comme ça. Allez! Go! Tiens, ah j'ai foncé dans le feu, mais pourquoi tu fais des trucs pareils? Oh là là, oh là là. Bim. Allez. C'est fini? C'est fini. Là où il y a de la baston. Ah, c'est des voleurs. Je les ai vus. Vilain. On a trouvé un Nobles et le Joker secret, votre incarnature met plus de temps à se charger mais peut être utilisé deux fois avec une seule charge, c'est pas mal. Une aura qui fait tomber la foudre sur les ennemis à proximité, ouais. Donc ça on a déjà vu au début de l'épisode. Régénérer votre santé sur chaque coup critique, j'en fais vous des coups critiques ou pas, je crois pas tellement. Ah, j'ai pris ça. Ok. Non. Oui. En avant. J'aurais pas dû faire ça. Il y a trop de monde dans ce cours. Ah ah ah, le boss il s'est pris une foudre en boule. Ah, c'est le boss qu'on connaît pas bien. Ah mon dieu, il a lancé des cubes et ils ont roulé. C'était pas ce qu'il avait fait les autres fois. En même temps, il est sur la deuxième dose. Dose, non, zone, du coup. Il fait d'autres attaques. Ah, 50 dégâts pour un cube dans la gueule, ça fait mal. Hein. Il a recommencé et je suis allé sur la trajectoire des cubes comme le pire des canards. Oh là 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 là. Non mais il faut pas me mettre des boss que je connais pas. Oh, 36 PV, mon dieu, ça fait mal. C'est quoi ça? Augmente le gain de gemme du chaos de tous les magiciens. D'accord, super. Eh ben, je suis content. Je suis très content. Je suis pas content. Je suis pas content du tout. Bon, en tout cas, on arrive presque à construire un beau deck attaque signature. Donc voilà. À un moment, on n'est pas à l'abri que ça se passe bien. Je croyais que je pouvais lancer deux fois ma signature. Ah ! Je refuse de perdre plus de PV sur cet étage. Je refuse, j'ai dit. Je m'insurge et je m'y oppose. J'ai pas d'attaque de feu ni d'attaque d'eau, alors tu peux aller te faire voir. Mais cassez-vous avec vos claques à la con! Pourquoi le monsieur il fait cette petite voix bizarre? Je sais pas, arrêtez de me poser des questions. Vous voyez bien que je suis très perturbé. Ah, c'est peut-être ma deuxième signature que j'avais gardée chargée en poche. Peut-être.
Toc toc. Y'a quelqu'un? Je voulais pas vous déranger. Je fais que passer. Ah là là. Hop là là. Ah, ce jeu fait ressortir le pleutre qui est en moi. Alors toi, si tu prends mes bolas, je serais content, mais si tu prends autre chose, je serais vraiment triste. Imagine, il prend ma foudre en boule. Imagine, il prend... Non, mais non, je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Comment tu t'appelles déjà, Silver Song? Docteur Song, tout court, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que j'ai envie de chercher Iris? Non. Mais bon, si je commence à zapper les combats de la deuxième zone, qu'est-ce qu'on va faire à la troisième zone? Bah déjà, si on est encore en vie à la troisième zone, je serais vachement surpris. Dans cette partie, mon dieu, il y a des méchants pas beaux. Au secours, au secours, au secours, je vais me cacher. Voilà, je suis la statue, je suis pas là. Oh là là. Oh là là. Ah non, 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 les prix-feux, ça fait mal. Oh, mini bobo. Oh là là. Je vous aime pas. Je vous aime pas, vous êtes trop méchants. Franchement, moi, à l'école, j'en prenais pas autant plein la gueule, hein. C'est pas normal, quand même. Oh là là. Bon, ok, les devoirs de maths, ça s'appelait pas les épreuves du chaos, mais quand même. Si on m'avait dit que je creverais en deuxième année, je serais allé à Poudlard, moi. Oh. Toi, t'es un Decepticoffre, à vous. T'es pas un Decepticoffre et tu m'as donné de la vie, je t'aime. Tombe, 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 tombe. Ah ! Que ? Tombe, 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 tombe. Ouais ! De la vie, trop bien, je suis heureux. Tout va bien, j'ai 100 PV, c'est merveilleux. Et tu me donnes rien de... Ah, ça, 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 ça. Ah oui. Ça, c'est bon, ça. Oh, ça, c'est très, très bon, ça. Ok, il me faut 3 petites pièces d'or pour acheter 100 points de vie, je crois. Enfin, plein de points de vie, en tout cas. Du coup, on a fini d'explorer l'étage. Du coup, je suis dégoûté. Hein ? 99 pièces d'or. Oh non, me fais pas ça. Là, des petits tonneaux. Des sous ! Ce qui est sûr, c'est que moi, je le suis pas. Y est les sous et pas des sous. Non, je suis pas déçu. Bref, c'est presque drôle. Allez, on se casse. Vite ! Vite, avant que quelqu'un se rende compte que tu fais des blagues pourries. Vite, vite, casse-toi, casse-toi, casse-toi. On arrive au niveau 2-2. Un peu plus que 2-2, parce qu'on a pris largement plus que 5 minutes pour le premier étage de cette zone, mais bon, c'est pas grave, on est en vie, on a un peu de PV. On a construit une partie qui mise tout sur la signature, qui a l'air de marcher, si je me fais pas trop tabasser la face. Et ce que j'aurais presque envie de faire à un moment là, c'est d'avoir le... Ga. Je crois qu'il y a une relique qui fait que... Go. Ouais, parfait. Signature. Je suis chaud. Ok, et j'en garde une chargée pour la suite. Et donc on arrive, on met ça, et là, bim. Qu'est-ce que c'est que... Ga. Il y a des trucs partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, il y a la chaudière qui nous en veut, oh non! Pas la chaudière de l'enfer! Ok. C'est l'ennemi à poil. Il va y avoir une baston quand je vais prendre ça. Ouais. Ouais, c'était sûr. Ah! Et pas qu'un peu! Alors le but c'est de mettre tes petites encres de foudre là, je sais plus comment ça s'appelle, et après de balancer le machin de zone, et là ça défonce a priori. Hop là. Et alors toi t'es le genre d'ennemi qui met des attaques au pif n'importe où, et ça c'est pas cool. La frappe d'éclair. Frappe d'éclair, puis cercle de foudre, puis foudre en boule. Ok. Bim bim bim, on saccage ton magasin, et après qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà écrit ma thèse, merci. J'aurais pris quelque chose basé sur les critiques, ce serait chouette, mais là, non. Bon, je crois que c'est encore la potion de guérison qu'on va prendre, c'est triste, mais c'est comme ça. Il nous manque
le téléporteur rouge et Iris avant de se casser. Accessoirement, il nous manque aussi le boss. Bonjour messieurs. Excusez-moi, mais... Voilà, s'il vous plaît. Ah ! Je me suis fait toucher ! Et pas qu'une fois. C'est vraiment le jeu qui me fait couiner, quoi. Stressant. Oh, c'est le gros. Ah ! Qui est gros ? Ah ! Mets-toi ! Mais en plus, tu tapes fort. Ces bolas sont vraiment... J'allais dire ces bolas sont vraiment rien à faire dans mon deck, mais t'es pas sur une partie de Slay the Spire, mec. Pense à charger ta foudre en boule, hein. Si tu la charges pas, ça fait quand même beaucoup moins mal. Qu'est-ce que c'était que cette attaque? Et tous les lanciers ont des nouvelles attaques, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est moi qui me souviens pas bien du jeu? Peut-être. C'est pas cool, en tout cas. C'est stressant. C'est le boss. Hop. Mais ne te prends pas des claques par les ennemis de base, s'il te plaît. Bah, prends-toi au moins des claques par les gros ennemis, voilà. Si tu veux, à la rigueur, je préfère. C'est un peu moins vexant. Ça fait beaucoup plus mal, c'est moins vexant. Nya. Ah bah non, tu l'as fait sortir de la zone d'effet de ta magie. Voilà! Quand on tape dur, mais on s'en prend aussi plein la face! Et ça, c'est vraiment pas cool. Je peux pas me casser maintenant, vas-y, on a aucune relique maudite, on a profité d'aucun des PNJ rouges là, il faut qu'on arrive à les trouver, qu'ils nous filent des trucs de ouf là! Allez! Ils sont vraiment pas gentils. Aïe. À l'épreuve du caca cacao, je veux plus y aller, maman. Les ennemis m'ont fait... m'ont mis trop de gifles, maman. C'est nul tout ça. Bon, allez. Ah ! Au secours ! Vous êtes tombé dans mon piège ! Oh, je me suis quand même pris une petite claque à la con, hein. Sans déconner. Pourquoi tu vas au milieu des ennemis ? Pourquoi ? Tu vas au milieu. Je suis prêt. Des ennemis. Ah ! Tu cesses immédiatement. Sottise, insensé. Électrodisque dans ta gueule. Voilà. Ouais, il devient vulgaire le monsieur. Ça m'a fait du bien sur le moment. Encore une fois, toi, si tu prends mes bolas, je serais très content. Mais si tu me prends autre chose, je serais très malheureux. Du coup, non. Je dis non. Je dis non et je me dis que j'ai exploré cet étage pour rien. Et du coup, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Téléporte. Avec toutes les claques que j'ai prises, sans déconner, ma thèse, elle ferait bien 600 pages, hein, je crois. J'arrive pas à comprendre ce truc, en fait. Je sais pas si c'est par rapport avec mon arcane signature, et que ça ne s'activera pas parce que j'ai la bille qui fait que mon arcane signature, il se désactive jamais, en fait. J'ai pris le dé pour essayer de faire des gros critiques. Et on est qu'au boss de la deuxième zone, et j'en peux déjà plus. C'est vraiment pas le jeu à enregistrer un lendemain de garde. Mais vraiment pas, quoi. Zil, mon amour! Dis-moi qu'avec toi, ça va bien se passer. 2. 3. 4. Tiens. C'est chargé. Oh.
Non. Et la signature. Je me fais déchirer la gueule. Ah non. Tiens, chérie. Ok. C'est-à-dire que là, je viens de perdre quand même tous mes PV sur mon boss préféré, du coup, ça me... ça n'engage vraiment rien de bon pour la fin de la partie. Écoute, Juju, fut un temps, t'étais content d'arriver à la troisième zone, et t'es plus entraîné, donc sois content. On arrive à la troisième zone, ça va être la zone de l'air, on connaît pas les ennemis, on va crever, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Qu'est-ce qu'on a retenu de cette partie? Oh là là, les ennemis sont méchants. C'est tout. Si, on a découvert certaines attaques du nouveau mini-boss, et ça, c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Voilà, voilà. Et est-ce qu'on a découvert des nouvelles reliques? Je crois pas. Si, il y avait peut-être ça, mais en fait, c'est un peu naze. Et le reste, c'est des trucs qu'on connaît déjà, quoi. Et à part les arcanes que j'avais en commençant, on n'a pas vu grand chose de neuf. Ah, mais non, mais au secours, quoi! Help! J'essaye de me sortir d'une situation pourrie et je me fais déchirer la face sans rien voir de ce qui se passe à l'écran. C'est atroce. C'est terrible. C'est... ouais. C'est pas cool. Surtout que j'ai vraiment rien pour récupérer des PV dans cette partie-là. Oh non, 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 mais au secours, au secours, au secours, s'il vous plaît! Bon, bah voilà. Ça, c'est fini. Comme ça a commencé, dans un couinement débile de « Oh là là, je comprends rien à ce qui m'arrive !» Et je meurs. Voilà, et eh ben écoute, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice, joué à Wizard of Legends, j'espère que ça t'a plu. Je vous dis à très vite pour la suite, et d'ici là, les justiciers, portez-vous bien. Ciao, ciao.